Hey matelot, ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour la visite d'une maison de Anuls qui a été faite sur le World of Keralis server. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'appelle. Le Anuls en question, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer cette maison là parce qu'elle est assez stylée. Hein. Regardez-moi ça. En plein sur la falaise, là sur la colline. Boum! On dirait qu'elle a une casquette un peu. Tu vois, la maison, je vous fais un petit fly around vite fait. Et puis on va pouvoir vous montrer la maison en détail. Voilà. Comme tu peux voir, il y a 2-3 trucs intéressants déjà. Alors, premier truc déjà, il a voulu faire sa maison plein dans la jungle, tu vois. Enfin, dans la jungle de Dark Oak, là, de chêne. Et c'est plutôt original, hein, pour le coup. C'est vrai que d'être à ce point-là, enfin, d'être dans ce biome-là, et d'être à ce point-là, entouré d'arbres, c'est assez couillu, hein, ça doit être assez difficile à faire en vrai. Donc GG à lui déjà. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 astuces, 2-3 idées architecturales que j'avais envie de vous montrer du coup avec vous. Alors déjà, regardez ici, là c'est un parking, voilà, c'est son parking à voiture, voilà, normal, avec vue sur un terraforming qui est pas fini, mais vue sur une plaine, hein, a priori. Donc voilà, c'est la base, tu vois. Et il y a 2-3 trucs aussi qui sont assez rigolos. Notamment l'emplacement, bah, l'emplacement des escaliers, ça j'en parlerai plus tard. Et ce petit coin là en fait. Ce petit salon d'extérieur qui est couvert par des espèces de parasols qui sont tendus au-dessus. Avec des colonnes qui sont pas toutes de la même hauteur. Ce qui fait qu'il y a 2 parasols qui se chevauchent l'un par-dessus l'autre. Et ça c'est plutôt stylé. Vous voyez ? Carrément. Et il y a aussi d'autres côtés, hein. Regardez par exemple, les formes de la maison sont complètement arrondies, complètement fluides, dans le sens où vous voyez que là, il y a vraiment la forme du toit et la forme de la maison en dessous qui se prolonge par un escalier qui est dans le prolongement de la forme, hein, véritablement. Et de l'autre côté aussi, vous regardez, si vous prenez la courbe de la terrasse ici, et bien ça se reprolonge également par un autre escalier de l'autre côté, ce qui donne un aspect un petit peu intimiste en gros, parce qu'il n'y a que ces deux accès là qui sont vraiment visibles, si vous voulez, ce qui donne un aspect cloisonné un petit peu. Et ça, je trouve ça plutôt sympa, plutôt intéressant à avoir mis ça autour de ce biome là en plus. Hop. Et aussi quand on regarde par ici, bien vous remarquez que, eh bien, il a mis une partie de son toit comme ça, avec des poutres en bois. Des poutres en bois avec de la végétation par-dessus. Et il a mis ça en partie au-dessus de sa piscine, et en partie à l'intérieur de sa maison, pour lui donner une espèce de fausse terrasse semi-couverte, à l'intérieur même de la structure en fait, au niveau du premier étage. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal, avec son gros hélicoptère qu'il a mis là-bas aussi, hein. Il a mis un hélipad, juste à côté. Donc, walou quoi. C'est plutôt pas mal. Alors, je vais revenir au sol, hein, histoire de visiter la maison au sol, hein, directement. Alors, attends. Il est là, le truc. Pouf. Ok. Donc, t'arrives avec ta petite tuture par là. T'es allé faire tes courses avec ta Bugatti Veyron. Normal, hein, tu vois. Et tu remontes tranquillou les petites marches pour revenir sur ton parking privé souterrain avec une vue sur la plaine. Parce que pourquoi pas, là, le code secret évidemment. Voilà. Tu peux. Alors t'as combien de voitures? 1, 2, 3, 4. Ah non, ça c'est des motos. Donc 3, 4, 5. 5 voitures plus 2 motos. Normal. Voilà la base, hein, moi aussi. Dans mon garage, hein, j'ai ça. Même si j'ai pas de garage. Mais tout va bien, hein, dans l'idée, voilà, c'est classique, c'est le luxe, voilà, normal, tu vas me dire, si t'es milliardaire, voilà, pas de soucis. Donc, 6 petites pièces, normal, ok. Voilà, petite buanderie, du coup, avec la machine à laver, si je suppose que c'est ça, hein, pour le coup, machine à laver, rangement, d'accord. Ici, qu'est-ce... Oh, il y a un truc ouvert. D'accord, il y a un mécanisme qui permet d'ouvrir le truc ici. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? Shark Base, sérieux? 15 Easter Eggs. Oh,
Oh! Ah, il a fait toute une base d'études de requins en fait à l'intérieur de. Ah, si j'ai bien compris, hein, à l'intérieur de sa maison, ça je savais pas, tiens. Warning radiation. What? Ah ouais, le mec, ils sont en train de refaire une expérience, c'était sur les mecs comme dans les comics là. Ah, c'est excellent ça! Ah, c'est bon ça! Alors, qu'est-ce qu'il raconte, les? D'accord. Ah non, mais c'est pas mal. Visiblement, il y avait World of... enfin, il y avait Keralis qui avait déjà visité ça. Ou alors, c'est lui qui avait mis ça comme ça. Je ne sais pas. Mais c'est. Waouh, il y a tout un laboratoire de recherche sous sa baraque. Waouh, d'accord. Ah, mais le mec, en fait, il va faire son pain. Et il revient ici pour le foutre. Mettre son pain sur le truc de radiation. Mais c'est énorme! Waouh, mais attends! Oh non, mais t'es sérieux? Ah, ils augmentent la taille des requins et font des expériences génétiques pour augmenter la taille des trucs. Ah, il y a même un bateau qui est coulé dans leur truc là. C'est un bateau le truc là-bas. Waouh, mais j'avais pas vu ça moi. Oh, le truc! Ah, c'est énorme. D'accord. Donc là, c'est les vestiaires, d'accord. Et là, ça doit être les toilettes. Oui, ok, d'accord. Oh, mais la vache, mais... Wow. Ah, punaise, alors pour le coup, dans le truc, je m'y attendais pas. Là, ça se pose là, hein, quand même, parce que... Bah, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas du tout. Ok, d'accord, donc le mec, il a fait un laboratoire. Mais carrément. Donc, attends, pouf. J'ai réussi à louper mon machin d'ici, tu sais. D'accord, donc il y a son truc en redstone qui est vraiment fonctionnel, ça c'est cool. Alors attends, comment est-ce qu'on fait pour l'actionner d'ici du coup, son truc de redstone? Il n'est pas caché derrière le pot de fleurs ou quelque chose comme ça? Attends, c'est pas ça? Pouf. Ah si, c'est ça! Oh, je suis trop un génie! Ah, c'est excellent! Et on arrive du coup dans la maison. Waouh! On arrive directement sur le truc de chicha. Ok, ah bah c'est bon ça! Ah mais carrément. Ah moi je prends. Hein. Boing, boing, boing. Alors attends, je vérifie vite fait. Ouais. Carrément. Ah mais ça c'est rigolo ça tiens. Donc alors ici du coup pour revenir à quelque chose d'un peu plus conventionnel, on est sur la salle à manger visiblement, hein, avec la cuisine, avec tout ce qu'il faut. Dis donc, pouf. Ok, les petites toilettes. Attends, j'ai remarqué, j'ai pas remarqué s'il y avait. D'accord, ici il y a lavabo. Lavabo d'ailleurs directement quand t'es aux toilettes. Donc tu peux en même temps être sur tes chiottes et te laver les mains. Comme ça tu gagnes du temps dans l'idée. Bon, pourquoi pas. Ok, deuxième salle visiblement avec. Oh, avec. C'est sympa son truc là. Avec un mur assez profond pour pouvoir mettre une étagère dedans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pouf. Et d'ailleurs première chambre, d'accord. D'accord, ok. Au calme. D'accord, donc je pense que là c'est bon pour cette partie-là. Ok, donc là on arrive sur la grande pièce principale, la grande pièce centrale de la maison, je pense, avec le petit balcon autour du truc un peu en hauteur là. Du coup, ouais, c'est ça, tu peux venir ici. Avec le grand salon, le grand canapé. Ou le canapé qui fait la taille de ton appartement, tu sais, normal. Eh bien. Et de ce côté-là, on a même un petit piano. Un petit pianal, tu vois. Ou une petite pianale. Allez, pouf. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh. Ah, d'accord, non, là, c'est juste pour le cours de tennis. D'accord. Non, ça, c'est juste un truc classique chez les riches, hein, tu me diras. Normal, normal. Non, là, il n'y a rien de bien extraordinaire, tu me diras. Alors, ici, sinon, pour le coup... D'accord, le mur ici, en vert, il est fait pour cacher le son un petit peu? Peut-être. Je ne sais pas. Ok, donc là, on arrive ici, ok. Et ici, qu'est-ce qu'il y a du coup? Un petit billard, parce que... Une chambre, d'accord. Le sol en... Comment ça s'appelle ce truc là déjà? Pouf. En diorite, d'accord, ça c'est pas mal non plus. Le sol en diorite, ça j'aurais pas pensé, effectivement.
Effectivement, pouf. Enfin, le sol, le tapis en diorite, hein, plus exactement. D'accord, donc là, on est sur la petite salle à manger. Pas du tout, la salle de bain, voilà. voilà. Pouf. Alors, est-ce qu'on arrive quelque chose... Oh, la salle de muscu, monsieur. Mais oui. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est le rameur? C'est le truc que tu tires, là, avec les poids qui montent et tout? Boing. Ça, je comprends ce que c'est. Ça, c'est des histoires de vélo, quelque chose comme ça, de vélo elliptique. Peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas. Un banc de massage. Moi, je marche sur leur banc de massage avec mes gros pieds et mon gros sabot. Là, tu vois, attends. Mon gros pied en bois, là, tout plein de boue. Mais c'est pas grave, hein. Moi, ils m'en voudront pas, hein, vous me direz. Le petit lavabo pour se laver les mains, effectivement. On est plus propre. Pouf, là, les toilettes, pas du tout. Le sauna, d'accord. Et la douche, d'accord, donc ok. Faut dans les deux cas, c'est pas grave. On pisse directement dans la piscine, hein, pas besoin de toilettes. Dans l'idée. D'accord, donc là... d'accord, on a fait le tour du truc. D'accord. On est revenu au point de départ. Donc attends, on va essayer de choper un escalier pour monter en haut. Et pas pour monter en bas, hein, dans l'idée. Ça serait plus compliqué. Je sais pas si vous avez déjà essayé, hein, mais monter en bas, il y a quand même un petit peu de complications, hein, dans l'idée. Ok. Donc alors, attends, on arrive ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un joli truc, d'accord. C'est un bureau, d'accord. Je croyais que c'était un... Le mec, il a mis son bureau juste à côté de sa chambre. Donc là, c'est les salles de bain et machin, oui, que je suppose, d'accord, ok. Ah, c'est sa salle de bain qui est semi-couverte. Oh, ah, c'est stylé. Comme ça, tu peux montrer à tous ceux qui sont dans la piscine comment tu fais bien l'hélicobite, quoi. Ah, c'est excellent. Ah ouais, pas mal. Ah franchement, là c'est stylé. D'un point de vue RP, tu dois te les geler un petit peu quand t'as vraiment besoin de te laver et qu'il pleut. Mais en dehors de ça, voilà, c'est plutôt stylé, hein. D'un point de vue esthétique, c'est vraiment la classe. Pour le coup, ah bah oui, bon, il y a la douche, d'accord, ok, donc c'est bon. Tu peux prendre des bains que quand t'as envie, en fait, finalement. Ah d'accord, et c'est là qu'on arrive, d'accord, ok. Non mais c'est plutôt pas mal. Je pense que ça c'est la chambre principale, hein, de la maison, avec son puits de lumière au-dessus du lit. Carrément. Comme ça, tu dors à la belle étoile, en fait. Ah, j'avais pas fait gaffe, en fait. Mais quand t'es au lit, comme ça, t'as les étoiles en toile de fond. Oh. C'est pas mal. D'accord, donc là, on est sur le gros salon, d'accord. Gros salon de papa avec la cheminée. Avec le feu qui est complètement bourré, mais ça, c'est autre chose. Ici du coup on arrive sur le petit machin avec l'escalier, d'accord, ok. Donc là on arrive sur la partie que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Alors attends, ici c'est quoi? C'est juste les arbres qui ont les pieds dans l'eau ou c'est un jacuzzi à part entière? Non, je crois que c'est juste... D'accord, c'est une water feature. D'accord. Eh bien je pense qu'on a fait le tour finalement. Je pensais pas durer aussi longtemps. Parce que vous voyez, il y a la base de manipulation génétique des requins qui a été un petit peu surprenante. Donc, plutôt bien vu d'ailleurs. Sur ce, n'hésitez pas à... Oh, il est joli ce plan là, je prends des screens. Voilà. N'hésitez pas à venir visiter le serveur World of Carlis par vous-même aussi. Pourquoi pas? Dans l'idée, hein. Hop, il est où ma canne à pêche? Il est là. Voilà. Sur ce... Très bon jeu à tous, bon vent matelot et à la prochaine !